En Afrique, le roi danse, la reine danse, le féticheur danse, le philosophe danse, le juge danse, le ministre danse, l'impérateur danse, le pharaon danse, le chef d'État danse, Mandela danse. C'est dire que c'est une des composantes majeures de la culture africaine. Et comprendre la danse, c'est comprendre l'Afrique en profondeur. Parce que l'Africain danse depuis l'aube des temps, depuis la naissance jusqu'à sa disparition. La danse africaine a ceci d'intéressant, que toutes les parties du corps sont supposées danser. Si tu peux faire bouger tes cheveux, il faut le faire. Si tu peux faire bouger tes ongles, il faut le faire. Si tu fais faire bouger tes fesses, il faut le faire. Ce qu'on ne retrouve pas dans ce qu'on appelle communément la danse africaine, qui ne sollicite pas la totalité du corps. Les traditions de danse en Afrique s'interpénètrent elles-mêmes, sans compter maintenant que l'Afrique a été en quelque sorte hybridée aussi par toutes les danses de la diaspora africaine, soit la musique noire américaine, le rhythm and blues, la pop music, mais soit aussi l'afro-cubain des Brésiliens. Toutes ces danses, tous ces rythmes ont été réapproprié par les nouvelles générations africaines qui, à la faveur de la colonisation, en étaient arrivées à un certain moment à considérer que leur danse n'avait pas une valeur culturelle honorable. Nous vivons quotidiennement dans la danse, dans la musique, mais ça commence à changer avec le développement, la civilisation, entre guillemets. Même les jeunes Africains ne connaissent plus la danse traditionnelle, il faut qu'ils apprennent. C'est donc une culture des villes, une culture urbaine qui se fait. Et c'est pour ça que c'est important que la danse africaine se développe, puisque nous devons faire évoluer ce que nos ancêtres nous ont laissé pour que les jeunes puissent s'exprimer avec des gestes, leurs sentiments d'aujourd'hui. Donc c'est important qu'ils aient aussi d'autres contacts avec d'autres cultures et que les jeunes danseurs chorégraphes africains puissent se cultiver au travers des autres danses pour après s'en imprégner et que ça devienne une gestuelle à eux. Nous faisons la danse contemporaine. La danse contemporaine, c'est la danse d'aujourd'hui parce que nous sommes des gens d'aujourd'hui. Et c'est cette danse traditionnelle pure de nos ancêtres que nous donnons une autre couleur. Mais ça ne veut pas dire que nous oublions notre racine. En Afrique, il y a au moins 50 États. Et dans chaque État de l'Afrique, il n'y a pas plus de 2000 ou 3000 danses. Il y a une danse propre à chaque pays. C'est-à-dire que quand on est de la Côte d'Ivoire, il y a des danses de la Côte d'Ivoire. Quand on est du Congo, il y a des danses du Congo. Mais il n'y a pas une danse africaine en tant que telle qui existe.